Maintenant que nous avons survolé les variables et leurs représentations en mémoire lors du précédent vidéo, nous allons aujourd'hui approfondir un peu plus la notion de variable. C'est bien beau de savoir qu'on peut représenter des bits, des bytes, des shorts, des int, etc. en programmation. Mais à quoi ça sert réellement? Déjà, une variable, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que l'adresse mémoire où sera positionnée l'information que nous devrons utiliser. Bien entendu, le programmeur n'a pas besoin d'adresser la mémoire directement. Tout se fait de lui-même. Ce qui est important pour le programmeur, c'est de savoir quelles sont les valeurs sur lesquelles il veut travailler. Donc pour ce faire, il y a différents types et nous avons vu quelques-unes de base, soit le bool, le byte, le char et le short. Mais il y a aussi les int, les long, les double, les float, les string, les ulong, les uint. Wow, 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 wow! Enballe toi pas, là. Plus lentement. <laughs> je voulais juste te faire parler. C'est ça, c'est ça. Dis donc que je suis prévisible tant qu'à ça. À peine, Gontran. À peine. <laughs> Déjà, avant de regarder ensemble la liste des différents types qui se feraient nous, j'aimerais ouvrir la parenthèse sur le fait que les langages non typés, comme le JavaScript et le Python, n'ont pas besoin qu'on se casse la tête sur la taille des informations à conserver et les types. Donc, tous les types. Que nous mentionnerons sont en fait que pour les langages typés comme le C, C, C et Java. Mais comment fait Python et JavaScript pour bien faire les choses Ils créent des variables immenses et inutiles Bien sûr que non. En fait, Python et JavaScript vont seulement interpréter la valeur qu'on affecte et fixer le type de la variable lui-même. Et pourquoi tous les langages ne font pas ça Bien vu que tout se fait automatiquement, les programmeurs perdent de vue leur consommation en mémoire et peuvent devenir négligents, et même arrêter de soucier de l'optimisation en mémoire. Donc, bien entendu, des idéologies se sont créées et l'opinion de beaucoup diffère sur le sujet. Les programmeurs C C C Sharp ou Java prônent le typage, car ça leur permet de tout gérer la mémoire convenablement, et surtout bien maîtriser le programme à 100 alors que les adeptes du JavaScript et du Python, tant qu'à eux, se basent sur la rapidité de programmation, la facilité de compréhension, pour se concentrer sur les véritables buts et besoins de leur application à leur avis. Et toi, t'en penses quoi Bien moi, j'ai toujours été du genre ouvert d'esprit, mais je suis un adepte de la programmation orientée objet ultra-typée. Mais ceci dit, chaque langage a son utilité et nous reviendrons sur tout ça dans une prochaine vidéo. Déjà, regardons ensemble tous les types que nous pourrions avoir. La variable logique, vrai ou faux, que nous avons vu lors d'une précédente vidéo, soit le boolean, le bool sur 1 bit. Les variables numériques entières, les bytes sur 8 bits, donc de 0 à 255. Les shorts sur 16 bits, de moins 32 768 à 32 767 le int 32 bits donc de moins 2 milliards 147 millions 483 1648 à 2 milliards 147 millions 483 1647 et pour finir le long sur 64 bits donc moins 9 trillions 223 billards 372 millions 36 milliards 854 millions 775 808 à 9 trillions 223 372 36 milliards 854 millions 775 807. Mais attends, lors de la précédente vidéo, tu disais qu'un short allait jusqu'à 65 535. Tu as raison. Mais la, dans la précédente vidéo, je montrais le concept selon la capacité binaire. En fait, pour faire de 0 à 65 535, il faudrait faire un U-Short, pour dire qu'il est non-signé. Dans la représentation binaire, un bit est utilisé pour définir le signe, si c'est positif ou négatif. Donc, du coup, il reste moins de place pour les nombres. Exactement. Si on enlève un bit, nous ne sommes plus à 16 bits, mais à 15 bits de valeur. Donc moins 32 768 à 32 767. Mais si on définit un U-short, le U au début spécifie qu'on retire le signe et là, il y a plus de place pour la valeur. La valeur devient positive obligatoirement, soit de 0 à 65 500. Et euh, c'est la même chose pour les int et les longs Exactement. Un U-int serait de 0 à 4 294 967 295 et un you long serait de 0 à 18 446 milliards 744 billions 73 milliards 709 millions 551 615. Ensuite, nous avons les variables texte char sur 8 bits qu'on a déjà vu et string un pointeur en mémoire non limité pour contenir des chaînes de caractères. Mais tout ça peut aussi être créé sous forme de tableau. Donc un entier crochet 5 pour dire que c'est un tableau de 5 entiers, un char crochet 5 pour dire que c'est un tableau de 5 caractères et on peut aussi faire un string crochet 5 pour un tableau de chaînes de caractères et sous forme de liste, donc on a la liste générique d'entiers pour une liste non limitée d'entiers, une liste générique de char pour une liste non limitée de caractères, une liste générique de strings pour une liste non limitée de chaînes de caractères, comme par exemple une liste de phrases dans un roman. Ceci dit, nous mettrons tout ça en pratique lors de la prochaine vidéo qui sera plus concrète avec la création d'un petit programme ensemble pour revoir toute cette théorie. Si vous avez aimé cette vidéo, Likez à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou que ce soit une petite flamme, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Partagez-la un maximum avec les gens qui pourraient être intéressés et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Bonne journée.